Bonjour, je voudrais vous expliquer pourquoi le Parti communiste estime très important de réussir les mobilisations du vendredi 15 et du samedi 16 mars pour les marches climat. En effet, dans notre pays, les émissions de gaz à effet de serre sont en progression et malgré tous les discours lénifiants du gouvernement, on voit bien que les mesures politiques ne sont pas prises pour sauver le climat. Or, nous, on estime que c'est possible, qu'il y a des solutions politiques qui sont applicables et c'est pour cette raison-là qu'on appelle chacun à participer aux manifestations, à faire pression sur le gouvernement pour que les mesures soient prises. C'est notre responsabilité collective. À titre d'exemple, les gaz à effet de serre émis en France sont pour un tiers environ émis par les transports, le tout routier pour aller vite. Eh ben nous proposons quelques mesures simples. Par exemple, on peut à l'échelle européenne, et ça tombe bien, il y a des élections européennes, proposer un plan de développement du ferroviaire, des grands travaux européens qui créent de l'emploi pour faire en sorte qu'on puisse voyager en train les marchandises comme les passagers. Deuxième proposition concrète que nous faisons, la gratuité des transports en commun qui va réduire la place de la voiture en ville et contribuer à améliorer le climat ainsi que la pollution de l'air. Et enfin, vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais comment on finance? Et bien là aussi, on a quelques propositions en rayon. Par exemple, la taxation du kérosène, puisque les avions ne sont pas taxés alors que vous, quand vous utilisez votre véhicule, vous êtes taxé pour l'essence ou le gazole. On pourrait taxer aussi les profits exceptionnellement des grands multinationales du pétrole. Et puis, par exemple, là encore, la France, il faut le savoir, va dépenser presque 40 milliards d'euros pour la rénovation de ses armements nucléaires. Ben, si on en prenait ne serait-ce qu'un quart, on aurait déjà de quoi financer un certain nombre des mesures que je propose. Donc vous le comprenez, si on se mobilise collectivement, on peut sauver le climat et c'est un petit peu le sens de notre participation et de notre appel à participation à ces manifestations.